Café. Voilà, bonjour, je suis ici avec, c'est quoi ton Luc. Luc. Bien sûr, voyons. Tout le monde me connaît. Puis, j'ai vu tous ces gâteaux là, tu vois, tous ces gâteaux, puis, et puis, j'ai dit, ben, est-ce qu'ils sont bons? Puis, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Forcément qu'ils sont bons. Ben oui, mais j'ai dit, mais c'est pas possible que tu saches parce que je suis le premier à goûter. Mais... Donc, tu m'as dit quoi? Mais forcément, c'est Nicole qui l'a fait. Ben alors, donc, c'est bon. Si c'est Nicole qui l'a fait, c'est que c'est bon. Voilà. Bon, la vidéo pourrait s'arrêter là, ce serait un peu débile, mais... en fait, c'est la même chose dans nos vies. Si tu as confié ta vie à Jésus, tu as confié toute ta vie à Jésus, quoi qu'il t'arrive, tu sais que ce qu'il est en train de cuisiner, il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Tu sais pas, tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as même pas besoin de goûter ce qui va venir, tu n'as même besoin de savoir l'avenir, tu as juste besoin de savoir ça. Qui est le cuisinier de ta vie, on peut dire ça? Ouais, voilà. Ouais, cuisinier, ouais. Voilà, donc, c'est tout. La cuisine, bon appétit. C'est super bon.